Vous retrouvez dans ce magnifique boulodrome de Tours à l'occasion de la deuxième édition du trophée L'Équipe. Le tournoi doublette masculin se déroule sous vos yeux. Nous en sommes au deuxième tour. C'est déjà un match capital que nous allons suivre entre le Danemark et l'Italie. Pour nous accompagner à nouveau tout au long de cette journée, j'ai le plaisir d'être accompagné par monsieur Philippe Quintet. Salut Philippe. Salut Guillaume. Alors on voit tout de suite en image Diego Rizzi, fer de lance évidemment de cette pétanque italienne. Les filles ont réalisé de très très belles choses, se sont qualifiées pour les demi-finales. Diego Rizzi, sur sa première rencontre, était peut-être en deçà de ses stats habituelles. Oui, c'est vrai qu'il a été un peu, on va dire, un peu en dessous de ce qu'il est capable de faire. Bon, il faut savoir qu'il rentre tout juste des championnats d'Europe. Exactement. En ce moment, c'est très chargé, les voyages, les parties, des journées qui sont très longues. Donc, on peut lui pardonner, hein, même s'il n'a pas fait une vilaine partie. Hein. Non. Et maintenant, ça devient une partie couperet. Il faut absolument gagner contre le Danemark pour pouvoir participer au barrage. Et espérer sortir de la poule. Alors, l'équipe italienne a été battue 13-6 à l'occasion de cette première rencontre. Le Danemark a été également battu 13-6 par Madagascar. Madagascar a remporté une deuxième victoire et donc d'ores et déjà qualifié pour les demi-finales. Voilà, en tableau, ce sera beaucoup plus clair. Deux victoires déjà pour les joueurs de la Grande Île qui attendent donc le vainqueur de l'autre poule, le deuxième d'ailleurs peut-être le vainqueur de barrage de l'autre poule, la Thaïlande qui attend en tout cas pour rallier ses demi-finales le vainqueur de cette rencontre. J'espère avoir été clair, mais on aura l'occasion évidemment de reparler de ce format de compétition. On a évoqué évidemment Diego Rizzi, on voulait également vous parler du pointeur danois qui a fait une prestation de qualité, hein, même si la défaite est survenue pour les Danois. Ils sont au niveau de cette compétition internationale. Hein. Oui, tout à fait. On se rappelle cette partie où le Danemark menait 3-0, il me semble. Voilà. Et s'est retrouvé avec 3 boules en main pour défendre 3 points. Malheureusement, le tireur danois a manqué, mais ça aurait pu déjà être une grosse surprise parce que les Malgaches avaient vraiment mal démarré cette partie. Et on aurait pu assister déjà à une sensation. Allez, Donato Cofredo donc qui accompagne sur cette doublette masculin. Diego Rizzi. C'est pareil, hein, Donato Cofredo a eu quelques boules importantes, ouais, contre la Thaïlande qu'il a mal négocié. Et ça aurait pu changer également le cours de la partie. Donc vous l'aurez compris, hein, si l'Italie vient à s'imposer, eh bien elle rejouera donc la Thaïlande avec la possibilité pour elle de rejoindre les demi-finales. Allez, on va voir justement lesquels des joueurs sont les plus réveillés en cette heure très matinale. Oui. Ouais, pas heureux là au niveau de ce contact envers Alansen. On a beaucoup parlé de cette équipe danoise, hein, qu'on connaît un petit peu plus pour son équipe féminine, mais voilà, il y a des qualifications pour les tableaux à élimination directe désormais, hein, dans les grandes compétitions, que ce soit continentales ou mondiales, même s'ils sont passés à rien à des biens de rentrer dans le tableau final. 26e du Swiss System, ça s'est vraiment joué à quelques points. Voilà, ils avaient le nombre de victoires, défaites nécessaires, mais après c'est le point d'adhérage qui a fait la différence. Allez. Voilà, wow. Ça commence très fort, hein, pour Diego Rizzi. Magnifique carreau. Allez, monde. Alors, on était à 7 sur 11 en ce qui concerne Diego Rizzi. Sous les yeux de Riccardo Carpaccioni, qui était des dernières sorties, hein, de l'équipe nationale transalpine.
Ouais, c'est bien fait. Ouais, c'est frappé. Il y contre. Non. Il y a eu cette finale des filles à Palavas sur le triplette des championnats d'Europe. Ce titre donc, vous l'avez évoqué, Philippe, à domicile à Savigliano. Ça a excusé du peu à Henri Lacroix. Le Français avait pris le meilleur justement dans le Swiss System dans la phase de poule. Alors 13-12. Et Diego s'est imposé ensuite en finale 13-11. Bravo. Avec. C'est une belle reprise. Ah ouais. Yeah. A quanto è? 60. 55-60. Un petit échange entre Carpaccini. Da qui sono brutta, da lì è proprio bella bella. Ils sont poulains. Però, però se ne perde una poi, se do le mie due, le due per una, gioco di tirare. Dai. Vuoi giocare? Scuro. Ça change un petit peu du coup. Le gioco di tirare, comunque, poi fate un po' come volete. Non vuol tirare. Ormai manca poco. Il suo, en tout cas, il était prêt à tirer, Diego Rossi. Il se conforme au souhait de son coach. Oui, une bonne concertation de l'équipe. Bon, maintenant ils vont défendre deux points. Mais ça les met boule à boule. Il n'avait pas tort, Diego, en gagnant le point. Goffredo, il mettait le Danemark dans la difficulté. Ah, c'est bien tiré. Ah oui. Parfaitement rentré dans cette rencontre. Je vais le tirer, cazzo. Se colpisco le mie due, ne due per colpirne una. Hai capito? Minchia, subito, ma subito devi puntare e poi quando ti chiedi devi tirare, quando mancando di tre. Guarda, ci passi che pugna? Io. È nato un modo. Esatto. Bravo Morten. Un chapeau. Morten Saxil Nansen. Super spiel, Morten. Tiens. Qui effectue une superbe reprise. Qui va obliger Grigoretti à tirer pour conserver l'avantage. Bravo. Très belle frappe, hein. Il y en a au moins 3 par terre. Bien lancé, hein. Effectivement, cette mène par un Diego Rizzi impeccable. Hein. 3 sur 3. Et Goffredo pourrait bien avoir une belle mène en main. Ouais. Un tir obligatoire dès la première mène de la journée. Voilà. Intéressant en plus, puisqu'il fait au moins 3 points. Tout à fait. Mais bon, pour cela, il faut que Morten gagne le point. Déjà. Ah bon. Il a très bien fait d'ailleurs. Ah, chapeau. Hein. Ah oui. Remarquable à la pointe, Morten Saxil Nansen. Allez, il va falloir s'employer donc. Donato Goffredo, elle vaut cher celle-ci. Oh. Ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Ah, il y avait moyen de bien démarrer la journée. Et c'est donc le Danemark qui ouvre le compteur de cette rencontre. De ce barrage des perdants. Et qui mène 1-0. Ah oui, ça risque d'arriver. Hein, de retrouver Donato Goffredo avec toute la pression d'une belle mène. Alors c'est vrai que la boule qu'ils ont pointée à la fin les arrange un peu moins, puisque du coup il aurait eu deux boules pour tirer à deux ou à trois.
Mais en gagnant le point, c'est vrai qu'il aurait facilité, bah, il se serait facilité la même. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas marqué. Et on a cru voir poindre un petit peu de pression là, peut-être. En tout cas, c'est monté du côté de Diego Rizzi. Je ne sais pas si c'était à l'encontre de son. De son coach qui s'est vite remis sur son téléphone portable. Je pense pas que c'était à l'adresse de Goffredo, parce que bon, voilà, pauvre Goffredo, il a essayé, il a chiqué, bon, ça, voilà, ça arrive quoi. Mais le choix de Diego Rizzi d'aller tirer, il a peut-être encore un petit peu en travers. De toute façon, il n'y a pas de. C'est ce que j'explique souvent, il n'y a pas d'erreur de jeu. Ouais. Ce qu'il faut, c'est réussir ce qu'on tente. C'est ça. Par contre, quand on le manque, eh ben, ça devient là, une erreur de jeu. Et de toute façon, ça ne sert à rien de ressasser les mains quand elles sont jouées. Oh, on peut pas en arriver. Il a l'air pas mal réveillé, hein, Diego Rizzi. Ouais. C'est parti sur deux très bonnes bases. Pour l'instant, c'est 4 sur 4 hein, pour Diego Rizzi. Ah, c'est bien joué. Ben, le but du jeu danois, il est simple, c'est d'essayer de faire tirer un maximum Diego. Et puis, obliger Donato Goffredo à terminer les mains. Parce qu'il a eu un peu de mal à faire depuis le début de la compétition. On voit Alexio Cocciolo, le troisième larron de cette équipe italienne. Qui était de la partie à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Cette belle médaille d'argent obtenue au Boulodrome Henri Salvador. Face à l'équipe de France, bien sûr. Allez, on continue le travail de simple pour Andersel Hansen. Reprise obligatoire pour l'instant, c'est parfaitement effectué afin de faire jouer déjà la dernière de Diego Rizzi. Voilà, quelle qualité à la pointe. Très belle main. Ah oui. On voit le câble. Hein. Oui. Vous avez raison, Philippe. Là, vous teniez à souligner le travail du pointeur en début de rencontre. Bah, il vous donne raison. Il a fait le bon réveil musculaire ce matin. Et encore. Très belle main également. Ah de oui. Rizzi. Ouais, ne surtout pas banaliser la performance de Diego Rizzi. Ça n'est pas parce qu'on est habitué à de telles stats qu'il faudrait oublier encore ce dont il est capable. Il commence à les empiler, hein, les médailles et les titres, hein, malgré son jeune âge. Bravo. Ouais, c'est ça qu'il en plus est au diapason. Là, ça va devenir compliqué. Alors maintenant, encore une fois,
C'est Donato Goffredo qui va devoir supporter un petit peu la pression de cette, un petit peu beaucoup même, la pression de cette fin de main. Oui, parce que là, il y a moyen de faire une belle main, hein. 3 points par terre, boule à boule. Ouais. Malheureusement, c'est plus compliqué. Il n'est pas droit. Vuoi carne buona? Vuoi sarà di nuovo? Dai, dai. Vai, do. Double là, bon Goffredo, les affaires se corsent pour les Italiens. Et puis il laisse, laisse un petit peu de place là tout de même. En tout cas vu la, la qualité d'appoint des deux Danois. Hein, et notamment celle de Saxi Lansen qui nous intéresse au, au plus long point parce que c'est lui qui va avoir ses deux dernières boules à jouer. Alors c'est vrai que c'est pas facile hein, pour Digorizzi. Faut rester concentré, faut faire son jeu, voilà, et puis espérer que. Que son partenaire puisse l'aider un petit peu, mais il ne faut surtout pas montrer de gestes d'énervement, ça n'arrangerait rien. Ça ne ferait qu'enfoncer son, son partenaire. Exactement, hein. Ça n'arrange rien. Donc, il le sait très bien, hein, Donato Goffredo, que pour l'instant c'est lui qui mange un peu la feuille dans, 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 dans chaque main, mais il faut rester concentré et espérer que ça s'arrange. Ah, ils en ont gagné. Demi-tour de trop pour cette, cette boule danoise. Ce sont tout de même deux points supplémentaires au crédit des Scandinaves qui voilà, se créent un petit matelas, très petit, mais bon, toujours intéressant de démarrer à 3-0 après deux mains. Il va falloir des. Capacité de réaction, notamment d'un Donato Goffredo que l'on voit pour l'instant quelque peu éteint. Allez, début de la troisième main. Les Danois mènent à 3-0 pour ce match de la peur. Le vaincu de cette rencontre sera d'ores et déjà éliminé de ce doublette masculin. Et donc, n'apportera pas de points. Il y a évidemment l'intérêt de cette rencontre, de ce tournoi, de cette compétition en tant que telle, ce doublette masculin. Mais il y a également des points à apporter pour sa nation. Et les points sont-ils cumulés avec les féminines? Voilà, alors vous avez un classement uniquement masculin, vous allez avoir un classement uniquement féminin, et vous allez avoir une sorte de Coupe des Nations. Alors vous, vous êtes une nation particulière, la nation des légendes. Ouais, je ne sais pas où ça se situe sur la, sur le, sur le, sur la, sur la planète, sur le globe. Je ne sais pas trouver. Mais donc, effectivement, il devrait y avoir un classement général aussi, tous sexes confondus. D'accord. C'est bien, un bon petit point défendable. Ça va obliger peut-être les Italiens à se lancer, mais bon, je suis pas certain qu'ils vont continuer à se lancer comme ça. Si, ils sont partis une fois de plus, mais il va peut-être falloir changer un peu de technique parce que si ça va jamais au bout. Ah, voilà. Voilà, regardez justement l'adaptation. Il faut rester un peu plus sage, hein. C'est pas la peine de mettre toujours
Donato Goffredo dans la difficulté, hein, et on va le faire jouer ses boules d'abord, et puis essayer de garder celle de Diego pour finir les mêmes. Et puis pourquoi pas le voir prendre le dessus à la pointe, hein, sur son adversaire direct. Tout à fait, même si pour l'instant, hein, il pointe vraiment très bien Anders et Lansen. Voilà, c'est bien joué. Un sacré colossin que ce Morten Saxi Nansen. On s'accumule à un peu de 2 mètres. Bravo Morten. Ouais. Ça tombe de haut, pas beaucoup d'efforts à fournir là, vu le gabarit du bonhomme. Bon Morten. Et ça ramasse. Il est court. Il l'a perdu. Oui, là en plus on peut en être assuré. Adesso possiamo anche bocciare però. Al contrario. Bravo. Elle était importante cette dernière boule négociée pour Goffredo, même si ça ne va pas lui redonner le sourire immédiatement, tout du moins. Parce que c'est juste la pilote à l'indietro, c'est piqué nel sabbione, c'est la sabbione et buca. C'est important de frapper tout de suite pour Saxil. Parce qu'il reste sous la contre-attaque de Diego Rizzi. Il vaut mieux avoir la boule d'avance. Et voilà. Go on, link him. Yeah. Come here. Ten. Yes. Allez-moi. Une chute pour Axel Nansen. Ouf. Oui, il a contré. Allez, dur, deuxième face. Sur ce contre, il en reste deux. Bah, deux bouts contre trois. Ouais. Il y a un point ou deux par terre. Ouais. Allez, je dirais un peut-être parce que la noire est lointaine. Ah. On va mesurer, ouais, je pense savoir. On va mesurer, voilà, exactement. Une occasion de vous présenter ou représenter, de les saluer en tout cas. Voilà, rarement, monsieur Fuentes. Ouais. Les arbitres internationaux de cette rencontre. 142-5. Alors, est-ce qu'il tient ce deuxième point? Là, il y a 149 et demi. Non, aucun. Non. Il y a 7 bons centimètres. Voilà. Je vous en prie. 7 centimètres. Ouais. Là, on est entre le stade des lunettes et du chien. Ah oui, de demander à mesurer quand il y a 7 centimètres voilà. D'écart. Oui, d'accord. Mais c'est des fois par rapport au positionnement des boules, il y a des grosses surprises. C'est vrai. Oh, puis c'était pour dérouiller aussi les arbitres. Ça permet aux arbitres qui rentrent dans leur rencontre aussi. Bravo. Bravo. Ah, c'est bien joué. Hein. C'est bien joué, mais si Diego Rizzi reste dans la moyenne. Exactement. De ce début de partie. Tout à fait. Possibilité pour l'Italie de. Peut avoir une belle main, ouais. De revenir, mais encore faut-il qu'il maintienne ce rythme. Ah, c'est bien tiré. Superbe. Je ne sais pas si sa boule est sortie. Elle est sortie.
Sta ferma la tête. Sur la tête là, hop là. Mi sa che rimaneva anche sul filo. E ringuadagnava anche da quelle là. Vai, le petit rictus là. Et là, non, tre. C'est sûr qu'à juste un millimètre en dessous, c'était carreau. Bravo. Ah ouais, franchement. Il est régulier, il n'y a rien à dire. Ah ouais, il joue franchement, il joue toutes ses boules là. Ça se joue à rien encore une fois. Là, c'est vraiment un tir manqué de Saxil Nansen. Ils ont tout intérêt à en profiter, les Italiens. C'est une première mini brèche ouverte par les Scandinaves. Et voilà, il y en a deux. Tire. Tire. Ah, il va tirer. Hein? Ouais, c'est ouais, le tir à 3 et s'il reste en vie, ça fait 4. Ouais, mais il est vraiment près de la ligne de perte. Faut qu'elle fasse un petit rétro. Hein. Voilà. Ouais. Bon, elle a fait 3 pareil. Oui. Y a que si il avait dû manquer, que ça, on aurait pu dire c'est dommage quand même. Et là, c'était difficile de gagner un point supplémentaire. Il aurait vraiment fallu faire carreau sur la ligne. Mais bon, c'est pareil, hein, qu'ils le mettent au point ou qu'ils tirent, ça fait le même nombre de points. Exactement, ça fait 3 points, en tout cas pour les Italiens qui recollent à l'occasion de cette troisième aide. 3 partout entre l'Italie et le Danemark. Ce duel 100% européen qui tient toutes ses promesses, cette poule B. Voilà, tactiquement, ils ont joué, à mon avis, de la meilleure façon, hein, les Italiens. Il faut absolument que Donato Goffredo fasse tirer le tireur danois. Et puis c'est Diego Rizzi qui termine les mêmes. Trace un po', con tre colpiti, trace un po', fin pochi. Al primo, un cappellino. Ouais, on a mettre un rapport à la ligne de perte. On va donc rendre le bouchon au danois. Il y en a qui vont reculer un peu. Se donner un petit peu d'espace. Ah, c'est très. C'est quasi millimétré, hein, de la part des Danois. Ouais. Ils voulaient jouer loin. Voilà. On utilise pleinement les 10 mètres autorisés. Qua larga. No, la porta. Questo è stato di nuovo. Oppure c'è la macchia nera che magari ti si addormenta un po'. Tanto sporco per sporco, magari la macchia nera ti si addormenta un po'. Non lo so, Donna, fai te. Ale, fa bocciare, va. Bien. Elle est pas mal. Vu le bruit de la frappe, oui. Elle est là. J'ai pu craindre, effectivement. Voilà, premier écueil là. Cette rencontre. Une seule seconde. Personne en scène. Sind Sie das fin und für Spike setzen, für Bike setzen? Nein. Bien. C'est long. Comme quoi cette zone est. Allez, man. Semble délicate à négocier. On l'a vu pour Goffredo. C'est le cas pour le pointeur danois. Ça tape vraiment dur, hein.
Jeg bliver lidt for forsigtig med den, så den lander lidt midt i det lort der. Ja. Shit, den er godt til genkastet. Bare lidt kortere. Kom nu, Anders. Kom ind. Ja, de... Kom ind. Oh, er det der? Skal Bravo, Hans. Bon retour. Il va comme again, Anna. Belle reprise, hein, et pourtant, le bruit, c'est pas meilleur que les deux premières. C'est clair. Un peu plus monté. Allez, tu me dis, lui, normalement, de ce terrain, il n'en a que faire. Bravo. Je vais me tirer. Ciao. Jeg lander der med den sidste, ikke? Ja. Og der med de første. Kom igen, nu. Italie. Qui semble en capacité. Amon. Accélérer encore un petit peu. Ouais, c'est bien joué. Hein. Ouais. Est-ce que ça suffit? Vous le savez. C'est pas bon. T'as pas fait beaucoup, non, mais vous touchez plus, d'accord? Ah ouais. Petite remontrance. De Monsieur Fuentes. Vous le voulez, messieurs? Trois mètres. Un petit peu touché le terrain, un peu trop par rapport à ce qui était... La faute qui revient souvent, qui est reprochée, c'est que un des joueurs touche sa donnée pendant que l'autre joueur touche autour du bouchon. Et donc ça fait boucher deux trous et c'est interdit. 66-2. Le point, il est à la blanche. Allez, c'est une reprise, hein, donc effectuée. Oh, les Danois vont accepter la remontrance, le premier avertissement verbal sans broncher. Ah oui, là, il n'y a pas de, non, pas de doute. Fair play maximum, oui. Chez les Danois. Monsieur Fuentes, arbitre monégasque, hein, vous l'avez vu. C'est bien. C'est bien parce qu'en plus il a dû cadrer. Il est cadré, ouais. Il va certainement y avoir deux points. T'as data questa, hein? Questa è la data. Non è arrivata. Come again, Morton? Hey, Morton. Allez, on est à nouveau là potentiellement sur une belle mène pour les transalpins. Stop. Ah, den slår bare ikke igennem, ligesom din. Nej, den kommer det ikke lige så højt som den første. Ja, det er trompet, skal jeg på en reprise. Men til gengæld havde den meget mere. Til gengæld havde meget mere. Det er du kunne blive det deuxième. Okay. Oui, il est rentré sur le deuxième, mais il reste quand même trois boules en face. Udmærket læg, Morten. Kom ind, sidste her. Den er bedre. Alors tout le monde a joué de la même façon pour l'instant. C'est enfin la donnée a l'air vraiment très dure. Et est-ce qu'il y a moyen de jouer autrement? C'est pas certain. Voilà, tout le monde l'a envoyé à hauteur de cette tâche un peu plus sombre là. Allez, donna, dai. Non ho capito. No.
secondo me il gioco di tiro è giusto puntare perché se gira il pallino. Bien. Ma dietro ancora uno. Bravo. Ora il deuxième. Però è ben giocato. Guarda che è ben picchiata, però è ben giocato. Giocato qua. Però toccherà. Ecco laggiù una merda. La leva, che ci sta anche lei. Però se fate di taschizza che la porta in qua, questa qui è buona. È gioco di puntare. Poi con l'ultima fa quello che vuole. Tanto lui tira, non ha ancora puntata una. Oh là là. Oh là 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 là. Vous avez vu celle-ci comme elle a fusé? Ah oui. Il est sorti du terrain. Le dépit, le dépit. Bon, il a vite évacué avant que Donato Goffredo de le voir. Ouais, c'est une sur deux hein, pour Donato Goffredo. Deux sur trois, même. Hein. Ouais, deux sur trois, oui, bien sûr. C'est une bonne semaine pour lui. Ah, ouais, je l'oublie là. La première, bien sûr. Qualcuno si perde. Comunque. Oh là, c'est pas sûr. Hein. Vous voyez comme si c'était pas forcément évident. Ouais. Il n'y en aura que deux. La main normale, ça aurait été au moins trois. Ouais, au moins trois, voilà, c'est ça. Hein. Il en manque un petit là, entre celle de Notato Confredo et la dernière de Diego Rizzi. Ce sont tout de même deux points à mettre au crédit des Italiens qui prennent les commandes donc pour la première fois dans cette partie. Et qui mène désormais sur le score de 5 points à 3. Ouais, petit souci au niveau du jet de but là, pour les Italiens qui vont le rendre à nouveau aux Danois. Ça n'est pas la première fois. Ouais, bah dans ce terrain, c'est très souvent. Alors, le problème, c'est qu'on ne veut pas jouer trop près. Donc on se force à envoyer le bouchon loin, et en l'envoyant loin, bah malheureusement, souvent on est hors de distance. Et du coup, il revient prêt. Tout le clan danois. Ah, quoi que non, parce que les Danois, eux, ils jouent loin. Ouais, c'est vrai. Ah, ils ont peut-être tout intérêt à jouer loin, d'ailleurs, parce que... Prêt, quand même, Diego Rizzi, va pas manquer souvent. Non, c'est certain. Le clan danois, évidemment, qui est venu supporter son équipe masculine. Les filles sont désormais présentes. Ouais, elles vont jouer aussi une partie importante après. Hein. Exactement. Deux sont vraiment. Trois era le minimo. Elles vont jouer contre Madagascar. Ouais, ça va être une belle. La marque qui se doit de réaliser un gros résultat. Chez les filles. C'est vrai que le Danemark, voilà, sur les équipes engagées, peut faire office de petit poussé. Il est un peu long, hein. Andersen Hansen. Ouais, si Donato Goffredo parvient à prendre le dessus à la pointe, ouais, c'est sûr que ça va clairement arranger les affaires et de Diego Rizzi et de tout le clan italien par la même occasion. Oui, c'est sûr. C'est sûr parce que Morten Salsid aura vraiment du mal à faire autant de jeux au tir que Diego Rizzi. Donc s'ils sont en dessous au tir et en dessous au point, il n'y a aucune raison qu'ils gagnent. Ah, c'est bien repris. Ouais, c'est à Diego Rizzi là de faire sa part du travail. À 100% pour l'instant Diego Rizzi, il n'a pas manqué. Souvent quand on dit ça. Oui. Ce sera donc votre faute. Non, mais il est bien ce matin là. Ouais. Je le sens vraiment très à l'aise.
Voilà. Non, non, c'est parfait. Il continue son 100%. Ah, superbe période pour Diego Rizzi encore une fois. Que cette fin d'été, début d'automne. On en est à 12 titres déjà remportés par Diego Rizzi. Alors des médailles, on compte même plus. Elle aurait mis un échec. Hein. C'est le coup initial de Donato Goffredo. Det ændrer jo sådan set ikke vores strategi, kan man sige. Nej. Ej, men sorry, Morten. Kom ind to igen, Anders. Skal være det den der. Hjælp mig lidt, Morten, ikke? Ja. Er det? Allez, attention. Moins de 15 secondes même maintenant. Jeg prøvede at spille lidt kortere. Super godt lagt. Super godt lagt. Hvorfor slår den der ud? Ja, det gør mine to jo faktisk også, så måske gør de det. Det er godt lagt, Morten. Det er jeg sådan set heller ikke helt utilfreds. Ja, det er ikke rigtigt. Ja, fire. Vi kan ikke. Ja, vi kan ikke tillade at skyde. Nej, det er ikke, når de har to. Nej, men det er det. Kom igen, Morten. Kom igen. Godt læg. Skal jeg ændre noget, eller skal jeg bare køre den samme? Jeg synes, du skal køre den samme. Måske rykke den lige bare 5 cm længere til højre. Ja. Så løber den lige ned der. Kom igen, Morten. Du kan også give den lidt mere løft, så den stopper foran. Hvad siger du? Du kan også give lidt mere løft, så den stopper foran. Kom bare. Op med god. Godt. Rigtig godt. Ja, det bliver god. Bon, celle-ci, elle est dans le jeu, oui. elle peut faire mal jouer. Ja, det var nemlig. Mais bon là, c'est vrai que ce point de Diego, de Donato Goffredo, c'est perdu 4 fois déjà. Rigtig godt læg, Morten. Den er ja, jeg er også godt tilfreds egentlig. Bare. Det er jo bare den der, jeg skal ligge med den første, så kan du spille sig selv. Så. Kom med den, Morten. Allez. Sådan, bravo. Ja, c'est pas mal, ça. Du pointe? Det er godt lukket ned. Ja, måske alt muligt. Ja, no, perché magari se c'è possiamo continuare da prima proprio. Certainement tiré devant, Diego. Ouais, voilà, non, ouais. On n'a pas tout intérêt un peu à nettoyer là-devant, justement. Ah, ça passe pas, hein. C'est pour ça. La noire et le doublant là-bas. Ouais. La noire et les blanches derrière. Okay. Donc ça voudrait dire que Diego se lance au tir, mais... Ouais, il espère que cette boule noire rentre les deux blanches derrière pour pouvoir tirer devant, mais... Ouais, mais en fait, il faut en taper trois, du coup. Hein. Pas que les deux siennes. À moins qu'elle soit rentrée carrément des deux. 121-4. Il problema è che se tocco terra... Beh, eventualmente tre. Se vince, troveranno tre. No, no, vabbè, io faccio... Tanto, sì, pensiamo un attimino. Tanto può venire utile quella, non si sa mai. Più che altro la prima è pericolosa perché se tocco terra, a parte le due carambole, se tocco terra male posso anche buttare la seconda linea. Donc, la prima è 8. Elle est rentrée sur celle-là. Donc, on va venir sur l'autre aussi. Ouais. Passe pas non plus, mais il y a plus 125 aussi. Nella buona, poi aspettiamo. Oui, je pense que c'est pas la peine d'aller enlever. Ouais, il y a 126 déjà. Parce que quella sotto carambola brutta è quella da tirare. Alors, è quella attaccata. La noire. Oui, mais là, c'est plutôt les Italiens qui demandent. Celle-là et celle-là. Oui, mais.
C'est, voilà, c'est noir dans les deux blancs. C'est noir dans les deux blancs. Parfait. Merci. Donc il va se lancer. Oui. Il y a déjà 23 secondes. Cazzo. Eh oui. Il va tirer d'abord. Ouais, les 23 secondes sont arrêtées. Ouais, ouais. Il a arrêté le chrono. Par contre, il est relancé maintenant. Allez, tout. Ah, va bene, anche così. Bon, il a fait un peu de place. Ouais. Il viaggio vuoto non l'ho fatto. Ma ti può anche aiutare quasi quasi se fai basso. Tutto sommato. Vai, dove, dai. Metti tutte e due le tue se puoi. Passi la prima praticamente c'è già. Ale. Bravo, Do. Ti ha aiutato. C'è? Sì, sì, c'è. Un pochino corto di battuto. Sei piaciuto qua. Sì, sì. Vale, eh? Dai, mettici anche lei. Dai. Bravo, Do. Bravo. Bravo. Allez, chapeau. Chapeau Donato Goffredo. Et ça, c'est un peu libre. Allez, ça fait 3, elle est belle celle-ci. Pour les Italiens. Belle occasion de prendre le large. Ça va buttare la donna, minchia. Elle a bien basculé hein, quand même cette rencontre. La battuta lì è troppo larga. Tout de suite, dès qu'on l'a mis en échec. La pointe danois. C'est difficile de faire autant de jeux à la pointe qu'au tir dans ce terrain. Ça va bien aller. Bravo. Bravo Diego. 3 points pour l'Italien. 3, 4 points. Ouais, 4 ouais, 4 points. Hein, ouais, il est rentré. 4, il est rentré. Super. Ah oui, celle-ci, elle est belle pour les Italiens, il y avait 5-3, ça fait donc 9-3 pour les Italiens, au prix de deux très belles dernières mènes. Ils semblent avoir trouvé leur rythme et leur tactique à employer, qui a différé, effectivement. On était peut-être un petit peu borné sur un principe là, au début, et ils ont bien s'adapté. Voilà, ils s'adaptent. Au départ, ils étaient encore partis comme contre la Thaïlande pour énormément tirer. Mais là, dans cette partie, c'est peut-être moins nécessaire. La preuve. Dans la boucle, parfait. Allez, continue. Le fait de faire tirer un tireur danois et de garder les boules de Diego pour finir les mains, c'est payant, la preuve. Bien. Bravo. Ah, c'est bien, c'est bien. Bien. Ah ouais, il y a vraiment un changement là de dynamique. Questa è bien appena battuta le picchiata mai lo stesso. Goffredo dans son pensata dritta, sa zone de confort, on va dire. Calciato dritto. On est sur la table là. Elle est pas droit. Hello, good morning. Allez, go. Allez. Ah, il est très double par ça. La fin skiera. Ah, les difficultés danoises qui se confirment. Attention, attention, ça peut aller très vite. Au rythme des dernières mènes. Le coup de 3-4. 4, ça suffit. Ouais, c'est mal engagé. Ça vient de ce qu'on offre là. Ouais.
Aïe. Oh, c'est dommage. Là, pour le coup, c'est dommage. Qu'est-ce tenter de parer au, au plus ouais, pressé. Ouais, c'est bien joué cette boule. Hein. Il a eu le sentiment de faire un petit vent de boule à un moment et elle a tourné hein, juste sur la fin. Allez, monte. Ah, celle-là est bien tirée. Hein. Allez, quelle capacité de réaction là montrée par Saxi Lansen qui a d'abord manqué double. Ah, ils sont pas sortis d'affaires encore, non, mais évidemment. On va dire que ça va un peu mieux. Se un calcio, puoi puntarne una. O tirare? Se un calcio, si può puntare dopo. Se sei in campo, continuiamo. Sono vicine comunque quelle. Levane una che giochiamo meglio. Vai con il piede, su. Dai. Vai, Diego. Bravo. Ah, joli. Ouais. Joli, hein. Scelto bene. Vi lukker den ned først, ikke? Og hvis så er den der okay, så kan vi skyde. Vi kan i hvert fald lukke den. Jamen, det er også det, jeg kan også lægge en ind på prisen, der lige peber dem den vej. Ja, men når man har bare en god et eller andet sted, så kan vi skyde, ikke? For at de skal bruge alle sammen. Ja. Allez, Anders. Jeg vil essayer de pointer face à la boule noire. Quoi qu'il fasse maintenant, il mettra également la sienne en danger derrière. Bravo, Anna. Bravo. Bien joué. Hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a, très bien joué, mais là, il y en a pour tout le monde. Hein. Il peut y avoir contre dans la sienne, Diego, mais il peut aussi taper les deux blanches. Avec un avantage de boule non négligeable, hein, qui plus est pour les Italiens. Il peut faire du travail, je veux dire, dans un premier temps. Et déjà, il frappait, c'est bien. Hein. Voilà. Frapper, mais même si rien ne bouge, c'est parfait. Magnifique. Superbe. Là, ça sent pas bon hein, pour les. Non, comme vous dites. Pour les Danois. Il va falloir déjà très bien jouer celle-ci. Et attendre les coups de boutoir de Diego Rizzi et de Donato Goffredo. Allez, Hans. Je vais vous parler de ces. Nombreux titres. Hein. Arrête de le voir évoluer. Sur le tête-à-tête, Diego Rizzi. Ah, c'est bien joué encore. C'est très bien joué. Hein. Ah ouais, de haut mur, quelle capacité de réaction là mentalement. Chapeau, hein. Franchement, ce qu'ils réalisent, les Danois, se mettent vraiment au niveau de la compétition. Quand ils font, on pouvait avoir quelques craintes, hein, mais ils existent et chapeau. C'est déjà une performance en soi. Bon, à Gand, hein, sur les derniers mondiaux, en doublette, ils font un huitième de finaliste, hein, donc c'est pas non plus. Ils sont là. Allez, voilà. Voilà, je le sentais comme ça. Il va tirer pour gagner, Donato Goffredo. Alza bene, hein, su. Bon, et pour l'instant, ce sont les Danois qui doivent avoir le point. Donc, il va falloir d'abord taper pour marquer, en espérant faire un petit palais pour gagner. Enfin, il a deux boules. Hein. Ouais, et puis s'il fait passer, la troisième, elle est au fond à droite, là-bas. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, allez, deux pour aller frapper. Bravo! Il assène ce coup de grâce au Danois, lui qui avait été voilà,
un petit peu en deçà, en tout cas bousculé sur ce secteur de jeu. Naturellement, il a mis un petit peu de temps à se mettre en route. Mais là, pour offrir finalement un 13-3 qui ne souffre d'aucune contestation. Ah ouais, et puis bon, on joue forcément bien mieux quand on est devant au score. Hein. Ça permet de tirer plus facilement, puis on est plus décontracté. Et là, on connaît son talent, hein, Donato. C'est pas parce qu'il a manqué des boules depuis hier qu'il est incapable de taper une boule, loin de là, la preuve. Voilà, non, superbe carreau pour finir cette partie. Et donc l'Italie est en barrage contre la Thaïlande. Là, ça va être joli. Ah oui, ça va être effectivement un très très beau match, une revanche hein, tout simplement pour des Italiens qui ont été battus en début de poule, en début de compétition par ces Thaïlandais. Superbe en tout cas de la part des Italiens qui ont tout remis dans le bon sens et qui vont donc se donner un petit peu plus de temps dans la compétition avec ce barrage à venir, ce barrage d'accession pour les demi-finales. Les Danois, à contrario, eh bien, s'arrêtent là. Voilà, malheureusement, pour eux, de défaites en deux matchs. On avait loué hein, vraiment cette poule comme très homogène et comme un Danemark étant le petit poussé de cette poule. Quelle impression vous ont fait du coup Elansen et Saxil Hansen? Bon, bah, y a des moyens, hein, c'est sûr. Après... Au niveau tactique, il va falloir progresser. Après, le tireur a fait une partie assez correcte. Le pointeur un peu moins qu'hier, même s'il a terminé sur une très jolie main, il s'est un peu écarté. Et c'est ce qui a été le tournant de la partie. Mais bon, ce sont des joueurs qui ont des capacités. Maintenant, il faut travailler, tout simplement travailler. Et puis, au bout d'un moment, les résultats viendront. Sous les ordres d'un tricolore, Pascal Verbrugge, voilà, qui officie depuis quelques années. Exactement, quelques Pascal Verbrugge leur a déjà amené une certaine confiance. Voilà, ils font continuer comme ça. Et de toute façon, on sent que le talent est là, hein, qu'il y a le geste, le style. Enfin, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Il faut maintenant travailler et essayer de trouver la tactique et puis jouer les bonnes boules au bon moment. C'est ce qui est le plus important dans ce genre de grosse partie. Allez, quelques photos et quelques autographes évidemment pour Diego Rizzi. On le retrouvera avec grand plaisir pour la suite de cette compétition. Un grand merci.